Salut tout le monde, c'est le Kira, et aujourd'hui on va parler de Prunes Girl. Alors, Prunes Girl est un manga de 6 tomes, écrit et dessiné par Matsumo Tomoki, prépublié entre avril 2009 et avril 2013 par le magazine Gangang Joker de Square Enix, et en France c'est édité chez Soleil Manga. L'histoire. Maki va voir les résultats d'admission pour son entrée au lycée. Il rencontre une superbe fille et tombe sous le charme. Il découvre finalement que non seulement cette fille, Aikawa Kizuna, est dans le même lycée, mais aussi dans la même classe que lui. Cependant, il apprend très vite qu'Aikawa est en fait un garçon. Enfin, un garçon, enfin, quand tu vois cette tête... Enfin, moi, la première fois que j'ai vu cette tête, j'étais en mode... Et donc, pendant tout ce manga, Maki va essayer de savoir si réellement Aikawa est un garçon ou une fille. Tout en tombant petit à petit amoureux de lui ou d'elle. Pour ceux qui voudraient savoir si c'est un homme ou une femme, le manga le dit à la fin. Donc je vous laisse aller lire. Mais donc, qu'est-ce que je pense de ce manga? Eh bien... Il est vraiment très cool. Alors, au premier abord, on peut être rébuté par le résumé que je viens de faire de l'histoire. Ou le fait que ce soit Yashoujo aussi, mais c'est mieux que ça. Il y a beaucoup d'humour, les dessins sont jolis, les personnages sont variés. Quand je l'ai découvert, je ne m'attendais pas à accrocher comme ça à certains personnages. Je suis vraiment resté... Enfin, j'ai vraiment accroché à ces personnages. Même si à mon goût, la fin est un petit peu rapide. Il aurait fallu peut-être un chapitre en plus. Mais bon, ça reste un très 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 bon manga. Je n'ai pas beaucoup d'autres choses à dire sur ce manga. Il change de ce que j'ai vu auparavant. L'histoire est un prétexte à tout un tas de gags, c'est une bonne chose. Et il n'y a pas que des gags non plus. Il y a aussi des moments assez tristes, un petit peu. Voilà, il y a de l'action. Mais je trouve ce manga vraiment très intéressant. Il n'est pas trop long. On va pas s'ennuyer en lisant. Certaines séries en font tellement de mangas qu'au bout d'un moment, t'en as marre. Mais là... On peut même pas en avoir marre parce qu'avec seulement 6 tomes, d'ailleurs je pense qu'il aurait peut-être fallu un 7ème, mais avec seulement 6 tomes, je trouve que c'est déjà largement suffisant. Mais je suis bien content qu'il ait sorti en France parce que c'était pas forcément obligé qu'il le sorte en France. Du coup je suis très très content. Mais bon, si je devais vraiment énumérer ses qualités, je dirais que les dessins sont vraiment jolis, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, l'histoire est sympa sans plus, mais c'est vraiment pas ça le plus important. Voilà, c'est surtout dans les petits trucs, voilà, il y a des personnages qui se retrouvent, des trucs un petit peu tristes des fois, mais je trouve ça plutôt sympa, je trouve que c'est plutôt bien amené des fois. Et vraiment le regret que j'ai, c'est la fin. Je trouve que la fin s'arrête, mais stop et net. À tel point que la première fois où j'ai lu ce manga, je me suis dit, mince, il manque un truc là. Et non, c'était bien la fin en fait. Donc je suis un petit peu déçu, mais... Ce manga reste quand même très très bon. En tout cas, il est à mon goût. Il plaira pas à tout le monde. C'est pas un manga d'action aventure avec un gars qui arrive et qui fait wouah. Mais ça reste quand même un très 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 bon manga. Et je trouve que, comme j'ai dit tout à l'heure, il change un peu par rapport à tout ce que j'ai pu voir depuis quelques temps. Même si ça peut paraître classique ce genre de truc, je trouve qu'il est quand même sympa. J'ai été vachement habituée à des genres de style Kill la Kill, Gurren Lagann, tout ça. Mais là, je trouve que c'est cool. J'ai pas l'habitude de voir ce genre de manga. Bon, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller le lire sur internet. Il y a des scans, vous pouvez l'avoir. Et moi, personnellement, je vais l'acheter. J'ai les 6 tomes, ils sont ici, oui. Alors, pardon. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est allez... Allez le voir, lisez rien qu'un tome ou quelque chose comme ça. C'est rapide à lire, c'est vachement cool. Il n'y a pas forcément énormément de texte non plus. Mais c'est vachement bien. Et donc, moi je vous conseille de le lire. C'était Elkira. Ciao! Pardon.